Wesh les potos! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir Coolo Mike. Et aujourd'hui j'ai une grande, une merveilleuse nouvelle, une méga bonne nouvelle à vous annoncer. PlayStation va enfin faire une collaboration avec Discord. Alors moi, avant que la PlayStation 5 sorte, je me suis dit, ok, ils vont faire une collaboration avec Discord, c'est obligé. Discord, c'est le numéro 1 pour la communication entre les joueurs. Et la PlayStation 5 sort, et qu'est-ce qui se passe? Y a pas Discord sur la Play 5. Je me dis, mais non, on va pas encore se taper 5 ou 10 ans de PlayStation Party de mes deux couilles là, c'est pas possible. À chaque fois, ils nous mettent des mises à jour sur leur PlayStation Party vocale là, et c'est de pire en pire. Donc moi, je me dis, pourquoi ils font pas une collaboration avec Discord, tout simplement? Alors pour ceux qui connaissent pas Discord, c'est un service de communication entre les joueurs révolutionnaire. C'est révolutionnaire parce que vous pouvez créer des groupes entre plusieurs personnes. Vous pouvez créer des serveurs comme il y avait sur PlayStation 4 avant. On pouvait créer une sorte de communauté avec plusieurs personnes et tout dans la communauté, bah, tout le monde parlait ensemble. Et bien là sur Discord, c'est carrément des serveurs avec des salons différents, avec des chats vocaux et tout dans les serveurs. C'est un truc de malade. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des conversations avec vos potes par caméra, comme sur Skype ou comme sur Zoom. Vous pouvez avoir des parties uniquement vocales, vous pouvez envoyer des fichiers, etc. Mais la particularité de Discord, il y en a deux. Pour moi, il y en a deux. C'est que vous pouvez rajouter des bots que même vous, vous allez pouvoir programmer. Enfin, si vous êtes programmeur. Parce qu'en réalité, ça ne doit pas être facile de programmer ce truc-là. Et ces bots peuvent faire énormément de choses. Par exemple, faire un tirage au sort qui démarrera, vous le programmez pour qu'il démarre ce jour-là à telle heure. Et à telle heure, bah, le tirage au sort se fera. Il peut mettre de la musique, chercher de la musique. Il peut chercher des recherches sur Google. Franchement, le bot, le petit robot que vous arriverez à programmer sur votre Discord peut faire, je pense, tout ce que vous voulez si vous arrivez à le programmer. Donc voilà, il n'y a pas photo. Discord, c'est vraiment la base. Et pour une deuxième particularité qui, moi, me plaît énormément, et que c'est pour ça que Discord, c'est quelque chose que je kiffe, mais le problème, c'est que tous mes potes sont sur Play, et Discord, ben, j'en ai pas beaucoup des personnes qui ont Discord et qui jouent sur Discord. Donc voilà, c'est la merde, parce que sur PlayStation, quand il y a un type, il a un micro trop fort, ou quand il y a un type, il a un micro trop bas, eh ben on l'entend pas, ou alors on l'entend trop et on sait pas régler le micro. Alors moi je suis tout le temps obligé de dire oui, tu peux aller dans des paramètres, diminuer ton son ou l'augmenter. Alors je fais diminue encore, encore, attends, augmente un peu, ouais voilà, augmente. Puis après le type bah il parle dans son micro, et puis après le type il parle plus dans son micro parce que pour programmer le truc bah il parlait, et puis après je sais pas, il le décale un petit peu, puis après on l'entend plus, putain de merde, on l'entend plus. Donc ça cassait la tête. Je comprends pas, on est en 2021, la PlayStation 5 sort et il y a pas moyen sur les PlayStation Party, donc les parties vocales de PlayStation, il y a pas moyen de régler le son individuellement de chaque personne. Non mais why? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Alors que sur Discord, depuis que c'est sorti, eh ben on peut déjà le faire. Alors je me suis dit, vas-y, il faut absolument qu'il fasse une collaboration. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que PlayStation a fait une annonce officielle que Discord sera disponible sur PlayStation à partir de l'année prochaine. Ils sont en train de faire une collaboration avec Discord pour que Discord soit disponible sur PlayStation. Putain de sa mère, c'est trop génial. Alors regardez, on va passer sur mon PC et là je vais vous montrer que c'est pas du fake. Donc c'est parti, let's go. Alors bien entendu, je vous partagerai le lien du site en description et en commentaire épinglé si vous voulez plus d'informations. Mais regardez, annonce du nouveau partenariat de PlayStation avec Discord. Un service de communication populaire s'intégrera à votre expérience sociale sur PlayStation à partir du début de l'année prochaine. Putain, après ils ont dit début, hein. Donc ça peut dire janvier, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre. Toute l'année, frère. Non, j'espère vraiment que d'ici mars prochain, de l'année prochaine, jour de mon anniversaire, le 21, j'aurai Discord sur PlayStation. Il y a intérêt, les mecs, il y a intérêt. Mais franchement, je suis trop content. C'est un truc de fou. Vous imaginez peut-être pas, mais c'est une jouissance totale. Moi, je suis toute ma vie sur PlayStation. Et ça, c'est vraiment un truc qui manquait énormément.
Ils nous font des parties vocales de plus en plus éclatées, ils nous font des mises à jour qui deviennent de plus en plus éclatées. Et là, enfin, on va avoir un putain de service de communication de la taille de 2021, de la taille qu'on devrait avoir, quoi. Merde. Oh, putain. Enfin, bref. Il faut savoir que Discord est utilisé par des gamers et utilisé à 140 millions de personnes chaque mois. Je pense que c'est le service de communication le plus populaire du monde, ou peut-être pas. Peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il y a Facebook, mais en tous les cas, c'est le service de communication le plus, pour moi, pour ma part, le plus poussé, le plus parfait. Il n'y a pas mieux que Discord, franchement, c'est un truc de fou. Donc, il y a 140 millions d'utilisateurs qui l'utilisent chaque jour, et il faut avoir un PC. Donc, imaginez si c'est sur PlayStation, bah, on peut peut-être doubler ce... On peut sûrement doubler ce chiffre. On va doubler ce chiffre. Non, ça va être juste insane. Alors, ensemble, nos équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l'année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de sortir, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble. Donc voilà, vous voyez bien que c'est pas du fake. C'est pas du fake, on va avoir ça sur PlayStation, c'est un truc de ouf. Et il faut savoir que Sony Interactive Entertainment a investi un minoritaire, donc je sais pas si ça veut dire million ou milliard ou je sais pas, minoritaire, je pense que c'est petit, a investi une somme minoritaire, je suppose. Minoritaire, ça veut dire quoi ça, minoritaire? Ça veut dire minimum? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Vous pouvez me le dire dans l'espace des commentaires, hein, s'il y en a qui connaissent ce mot, enfin bref. En tous les cas, ils ont investi minoritairement, je sais pas quoi, dans le cadre de la série H de Discord. Donc voilà, ils ont investi dans Discord. Ils ont parlé avec le cofondateur Jason Citron. Oh là là, ça, j'ai mangé du citron. Et Stan Vanasqui. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc ils ont parlé ensemble. Ils sont bien amusés. Ils ont un putain d'humour apparemment. C'était génial. Nous sommes donc ravis de commencer ce voyage avec l'un des services de communication les plus populaires. Donc voilà, c'est ce que je pensais, c'est bien l'un des services de communication les plus populaires du monde. Et ça permettra aux joueurs de créer des communautés. Parce qu'il faut savoir que maintenant sur PlayStation, en tous les cas sur PlayStation 5, je sais pas si sur PlayStation 4, les communautés qu'on pouvait créer à l'époque sont désactivées, je ne sais pas. Mais en tous les cas, sur PlayStation 5, on n'a plus le service de communauté. Donc on ne peut plus créer de communauté et c'est quand même dommage parce que c'était une fonctionnalité qui était quand même utilisée par pas mal de personnes, qui était assez chouette et c'était dommage de retirer ce genre de communauté. Donc là, on va pouvoir créer des communautés grâce à Discord. Ben franchement, là, tu sais quoi, j'ai envie d'aller sur Discord et m'occuper de mon serveur que je laisse à l'abandon depuis 10 ans, là, tu vois. Franchement, ça me donne envie. En tous les cas, ils disent que c'est toujours un privilège de travailler avec d'excellents partenaires pour offrir de nouvelles expériences à nos fans. Donc oui, à nous. Merci, merci. Et nous aurons plus à partager dans les mois à venir. Restez à l'écoute de nos chaînes et Discord pour toutes les dernières mises à jour. Donc voilà, on aura plus d'infos les prochaines semaines. En tous les cas, voilà qui termine cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura hype, parce que moi ça m'a hype de ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce partenariat dans l'espace des commentaires. Votre avis m'intéresse. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.